Salut à tous! Aujourd'hui, je reviens avec la vidéo de l'échange que j'ai fait avec le monde de Maggie. Alors, si vous ne la connaissez pas, je vous mets sa chaîne en barre d'infos. Sinon, il y aura certainement aussi la vidéo d'échange. On va essayer de les publier en même temps, comme ça vous pouvez directement aller voir ce que l'on s'est échangé l'une et l'autre. Alors normalement on devait se donner notre box à version scrap, mais finalement on n'a pas su se voir et compagnie. Donc voilà, on se l'a envoyé par la poste. Alors je l'ai reçu, j'ai tout ouvert, j'ai retiré les papiers bulles et compagnie. Et donc ben, je vais découvrir en direct avec vous. Donc je l'ai reçu hier, mais hier je n'aurais pas su filmer. Donc voilà, j'avais hâte de l'ouvrir. Par contre, je ne l'ai pas ouvert hier parce que sinon j'aurais trop eu envie d'aller fouiller dedans. Déjà là, en l'ouvrant, j'avais envie de fouiller, mais je me suis dit non Mélanie, tu vas faire la vidéo là juste maintenant, donc sois encore patiente pour quelques minutes. Donc ici, donc c'était un échange d'embellishment box. Alors je vois qu'il y a ça, son embellishment box, et encore un autre cadeau, mais bon, ça je l'ouvrirai à la fin. Donc elle m'a fait une embellishment box comme ceci, avec plein de licornes, avec marqué j'adore. J'adore, j'adore. Franchement, c'est top, top, top. Donc voilà, avec cette petite licorne là. J'ai jamais vu les licornes là d'ailleurs. On dirait que c'est une colorisation que t'as fait. Enfin bref, j'adore. Alors, c'est une plus grande boîte que moi. Moi, c'est les boîtes de chez Action. Là, c'est une plus grande. Je ne sais même pas d'où elle vient. Et il y a une poignée. Ouais. Bon, hop, j'ouvre le tout. Excusez-moi. Alors, il y a une petite enveloppe. Hop, je l'ouvre. Vous voyez, donc l'intérieur est une petite enveloppe. Je viens de l'ouvrir. Je regarderai le contenu après. Je vais voir s'il n'y a pas une petite lettre ou autre. Alors, oui, ici, donc il y a une petite carte à mon avis. Hop. Alors, je vais vite lire pour voir s'il n'y a pas d'informations importantes. Je ne sais pas si tu as déjà tout déballé, alors chut. Ça en dit beaucoup, ça. Donc, elle a mis une petite licorne ici à l'intérieur qu'elle me dit que je peux la décoller. Et t'inquiète pas, je ne t'en veux pas pour le fait que tu n'aies pas fait de carte. Moi non plus d'ailleurs, je n'ai pas fait de carte, j'ai marqué, j'ai noté un petit mot derrière une carte de Project Life que j'ai un peu customisée. Parce que moi et les cartes, j'en fais pas toujours, donc voilà. Donc merci pour ton petit mot, j'ai hâte, j'ai envie de fouiller dans toute la box. Bon, alors là je vois la première chose, donc tu m'as mis du thé, comme ceci. Alors je suis pas fortée, je vais pas mentir, enfin en même temps je te l'ai pas dit, mais... Ça fera bien plaisir aux invités qui viennent à la maison. Donc voilà, je ne connais même pas les saveurs que ça peut avoir. Mais c'est bien pour mes invités. Ensuite ici, hop, un petit... ici on dirait des cartes de Project Life. Alors, elle m'a mis une petite carte de sa chaîne. Ça c'est cool, j'aimerais vraiment bien faire des cartes pour ma chaîne YouTube. Donc voilà, toutes les coordonnées, de toute façon tout sera en barre d'infos. Ensuite, elle m'a mis des cartes de Project Life 100% bonheur. J'adore. Des petits papillons. Je vous montre tout en détail. Hein. Moi, voilà, si ça prend du temps, tant pis. Au pire, je coupe mes vidéos en deux. Alors, bonheur à l'état pur. Que du bonheur, quoi. Hop, un petit arbre comme ceci et des papillons derrière. Amitié. Ceci, il est marqué quoi? Moment complice. Génial, franchement c'est trop beau. Ensuite il y a ceci. Celle-ci, j'adore. J'adore, j'adore. Celle-ci avec marqué Treasure Every Day. Alors hop, il y a celle-ci. Celle-là. Franchement, elles sont trop trop belles et j'adore, j'adore, j'adore. Un appareil photo, il est trop trop beau. Ensuite, il y a celle-ci. Only You. Ah, elle est trop belle celle-là.
hop, en double. Il y a celle-ci, trop trop belle aussi, avec des fleurs un peu tropicales. Celle-ci. Celle-ci, j'adore. Dans les tons jaunes comme ça, c'est très joli. Celle-ci. You and me. Et celle-ci. Voilà, franchement, j'adore. Voilà, Project Life et moi, vous le savez. Et donc, ça rejoindra tout mon tas de cartes que j'ai déjà. Alors, hop, donc j'ai ouvert la petite enveloppe au-dessus. Et maintenant, je vais découvrir avec vous tout le contenu de cette petite boîte. Bon, je commence par où? Oh là là. Il y a des gourmandises. J'ai même pas pensé à te mettre des gourmandises, je pense. Ici, elle m'a mis un masking tape. Il est trop, trop, trop beau. Regardez, avec du doré comme ça et des plumes de toutes les couleurs. J'en suis trop, trop fan. J'aime vraiment beaucoup. Global Gift. Je ne connais même pas. Donc, merci, merci. Une petite gourmandise. Ça, c'est des Napoléon, hein, Harlequin. Napoléon, Harlequin, chaque fois, je me trompe. Ça, j'adore. Ça. J'aime bien les bonbons acidulés. Ensuite, dans l'autre, ici, je vois un petit carnet avec des sticky notes. Ça sert toujours et je les ai toujours à proximité sur mon bureau. D'ailleurs, je vais les ranger directement. Ensuite, ici, il y a tout plein de petits tamponnages. Alors, hop, des petites maisons déjà découpées. Nickel, que demander de mieux. Alors, ici, un petit mug. Ça, j'adore, parce que moi, je suis une Miss Café. Donc, ça pouvait pas mieux tomber. Ici, tout un tas de étiquettes édition limitée. Donc, c'est toutes les mêmes. Ici, un appareil photo. Donc, en deux fois. Hop, clic-clac. Ça, j'adore. Ouh, ça tombe. Il y a celle-ci, une petite madame qui prend une photo. Alors, hop, un petit cocktail pour l'été quand on boit un petit cocktail rafraîchissant. Des croix, parce que j'adore les croix, elle sait très bien. Encore des croix et toujours des croix. J'adore. J'aime bien l'effet que ça donne dans les croix un peu, vous voyez, un peu délavé comme ça. Je sais pas si c'est fait exprès ou si c'est ton encre qui a bugué, mais ça donne bien. Voilà, ensuite, ici, je ne sais pas trop ce que c'est, des jantes d'engrenage. Avec une étoile au milieu. Pourquoi pas essayer de faire une réalisation avec ça. Donc, merci, merci. Encore un harlequin. J'ai l'eau à la bouche, rien qu'à y penser. Ensuite, une petite trombone ici avec un pompon. J'adore. Vous allez m'entendre dire j'adore tout le temps, hein, c'est pas grave. Ici, elle m'a mis tout un tas de petites trombones. Donc, appareil photo, des cœurs, des lamas. C'est vraiment chouette pour... Oh, trop cool. Un diamant comme ça, il est trop trop beau. Un cactus. Oh, trop beau. Une tête de cerf. Une étoile. Un palmier. Une paire de lunettes. C'est cool, j'adore, franchement. Un ananas. Et une flèche. J'ai des fois du mal à attraper les choses avec mes ongles. Bon, alors, dans la plus grande derrière. Encore des gourmandises. Alors, encore un harlequin, ça m'en fait trois. Des petites sucettes comme ceci, ça a quel goût? Funny face. Bleh. Je goûterai, je ne connais pas du tout Carentos Funny Face, je ne connais vraiment, vraiment pas. Ensuite ici, un petit sachet comme ceci avec plein de petites découpes, je vais vous montrer. Elles ont l'air super belles en tout cas. Dans les tons bleu doré. Que faire de... Enfin, voilà, elle a fait vraiment dans mes goûts. J'adore. Alors. Souvenir comme ceci. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Elle a fait le collage apparemment.
Alors ici, hop, des triangles. Je montre. Triangle en bleu comme ça, j'adore, franchement c'est trop trop beau. Merci. Merci, merci, j'adore, j'adore, j'adore. En doré, hop, et en bleu. Il est trop beau cet appareil photo comme ça en flèche. Ensuite, hop, pour faire un fond, ça j'adore, franchement, j'adore, j'adore. En doré et en bleu. Un petit mot, enjoy. Un ananas. Et un W. Ou un M. Non, un W. Merci. Ensuite, pardon, un autre petit capuchon comme ça avec d'autres découpes. Si je me trompe, un petit mot. Alors. Coucou Malicorne, c'est du papier plastifié autocollant. Trop mal plié. J'arrive pas à lire. C'est pas grave. Alors c'est tout un tas de petits mots, donc apparemment ils sont autocollants. Alors il est marqué happy. J'adore. J'adore. Franchement, je suis trop emballée. Happy. Yop, yop. Encore happy. Toujours happy, mais en rose. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. XO, ça j'adore aussi. XO en plusieurs couleurs également. Et ici, qu'est-ce qu'il est marqué? All you need is love. Je sais pas ce que ça veut dire exactement. Voilà. Donc, merci, merci. Alors, oh, elles sont juste trop, 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 trop belles. Franchement, oh, j'adore. Ça, il va falloir que tu me dises où tu les as trouvées parce que c'est vraiment le combo de couleurs que je préfère, bleu marine et doré. Regardez-moi toute cette paille, elles sont trop, trop belles. Oh, franchement, j'adore bleu, petit pois, doré, gros pois. J'adore, il faut que tu me dises où tu les as trouvés. Il faut que tu me le dises. Donc ça va être génial pour faire. J'aimerais bien essayer de faire des rosaces, là, vous voyez, sur les pailles. Et un crayon doré. Ça, j'adore. J'ai commencé à me faire un petit pot dans mon mug Marie. Donc j'ai recollé la anse, là, comme je vous avais montré dans le haul. Dans le haul version scrap et Primark. Et donc j'ai commencé à mettre tous mes crayons un peu kawaii ou... Enfin vous voyez ici il y a Friends, il y a un autre ici que j'avais trouvé chez Fly Tiger, un petit chat. Enfin voilà, je mets mes bic et crayons préférés. Et donc il va rejoindre ce petit pot. Donc merci, merci beaucoup. Ensuite les autres parties. Alors Big Smile, comme ceci. Paris. Ça c'est cool pour mon album, mon album version scrap, ça va bien me servir. Un petit appareil photo comme ceci, il est trop trop beau. Ah, génial, ça c'est génial, génial. Une tour Eiffel, trop trop cool. Et un petit palmier. Encore et encore. Ici elle m'a mis une petite boîte avec des œillets. Oui, c'est des œillets. Donc, à mon avis, elle m'a entendu parler comme quoi je voulais acheter la Crocodile. Donc, elle m'a mis des œillets. Ensuite, ici, hop, elle m'a mis toutes des breloques. Alors, hop, je prends les plus grosses pour vous les montrer. Donc, des perles. Je vais essayer de pas tout faire tomber. Donc hop, des perles comme ceci. Donc ça c'est nickel pour quand je vais commencer mes bijoux de mini album. Il me manque les pinces et certains outils. Enfin, il me manque les pinces donc au niveau outils et certaines choses de base, donc les petits anneaux, tout ce qui sert pour faire tout ça. Alors ici, il y a encore des petites perles.
Alors, hop, je vous montre. Il y a une attache comme ceci. Donc ça, c'est bien. C'est un truc de base qui sert toujours, toujours. Ici, il y a des petites étoiles. Et par contre, non, ce n'est pas des perles, mais encore une petite attache. Ça, c'est génial. Merci beaucoup, Maggie. Franchement, j'ai hâte qu'on puisse se rencontrer, que ce soit à Paris ou ici en Belgique, quand tu viendras chez, chez Christelle. Mais franchement, j'ai vraiment trop, trop hâte. Ensuite, elle m'a mis tout un tas de petites fraises comme ceci. Donc, il y en a plusieurs. Elle m'a mis des petites perles. Alors, j'ai du mal à les attraper avec mes ongles, désolée. Donc, des perles comme ceci, elle m'en a mis plusieurs aussi. Elles sont vraiment trop, trop belles. J'aime beaucoup les bleus turquoise comme ça, c'est vraiment trop beau. Hop. Ensuite, elle m'a mis deux ailes d'ange comme ceci. Et une plume. Ah là là, j'ai du mal à les attraper avec mes ongles. Ah là là, ça veut des ongles et ça ne sait rien faire, hein. Franchement. Hop, voilà. Donc, une petite plume. Donc, voilà pour ce qui est du contenu de la box. Franchement, j'adore. Tout est trop, trop, trop beau. Franchement, voilà, elle me connaît. Donc, elle a mis vraiment des choses qui me plaisent dans les tons qui me plaisent et compagnie. Donc, merci. Alors, elle me fait peur avec son petit cadeau d'air. Elle me disait des trucs, là. Genre, j'ai trop hâte que tu voyais la box. Enfin, je sais plus ce qu'elle me disait. Je lui disais, mais tu me fais trop peur avec ce que tu dis. Alors, hop. Ouf, j'arrive pas à croire. C'est lourd en plus. Je me disais que le poids, c'était à cause de la box. Mais non, en fait, c'est vraiment... J'arrive pas à le sortir de la boîte. La vidéo fait déjà 17 minutes. Hein. Encore heureux, je le fais pas avec d'autres présentations de courrier. Sinon, elle durerait encore 1000 ans. Non. Non, t'as pas fait ça quand même. Je le sens. C'est pas possible. Tu me fais peur, j'ose même pas regarder. Mais t'es folle. Eh non. Oh non, j'ai le... Je sais plus parler. Elle m'a offert une crocodile, mais quelle est dingue. C'est ça le groupe de discussion avec la Crocodile en promo sur Craftly après version Scrap. Je suis sûre que c'est ça. Petite coquille. Ah non, à mon avis, elle a dû m'entendre parler que je voulais acheter la Crocodile. D'ailleurs, je ne sais même plus si je l'avais dit que j'allais l'acheter à version Scrap ou pas. Et donc, elle m'avait mis dans un groupe de discussion, genre, les filles, n'achetez pas la Crocodile à version Scrap si jamais vous avez dans le projet de l'acheter, parce que Craftelier va faire une promo, machin. Ah non, franchement, je suis bouche bée, je sais même plus quoi dire. T'es folle. Tu es folle. Je sais même plus quoi dire. T'es folle, c'est pas possible. Je sais plus quoi dire. Franchement, j'ai trop trop hâte de l'utiliser. Oh non. Franchement, je sais plus quoi dire. T'es folle. Juste t'es folle en fait. Non, je vais pas l'ouvrir ici. Bref. Je suis déjà à la fin. Mais franchement, oh, je sais plus quoi dire en fait. Je suis calée là. Tu m'as coupé l'herbe sur le pied. Je sais même plus quoi dire. Je sais même plus comment faire, finir cette vidéo. Voilà, ben du coup, voilà. J'ai l'impression que ma box, ça va être du pipi de chat à côté de ce que tu m'as mis. Hein. Je sais pas, rien que déjà la Crocodile, t'es dingue. Elle est toute nouvelle, quoi. À la limite, tu m'aurais mis une d'occasion, mais là, elle est toute emballée, c'est toute nouvelle. On avait dit qu'on se mettait des choses qu'on avait déjà. Bref, je vais arrêter là. Je vais vous dire, je sais même plus comment terminer ma vidéo. Bref. Donc, si vous voulez aller voir ce que je lui ai envoyé, n'hésitez pas, donc je mettrai le lien en barre d'infos ou directement aller voir sur sa chaîne. Voilà, donc ben, j'espère que ce que je lui aurais mis lui aura plu également. Voilà, mais
voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut.